Bonjour à tous, je suis Jean Jalbert, je suis le directeur de la Tour du Vala, qui est un institut de recherche pour la conservation des zones humides dans le bassin méditerranéen. Tout d'abord, je veux vous dire mon regret de ne pouvoir être avec vous physiquement aujourd'hui pour ce magnifique anniversaire, les 40 ans de l'Association des Amis des Oiseaux. Par ce message, je voulais vous transmettre en mon nom et au nom de toutes les personnes qui font la Tour du Vala, toute notre amitié, toute notre sympathie et tous nos voeux d'un futur brillant pour l'Association des Amis des Oiseaux. Ça fait pas 40 ans que je vous connais, mais une bonne vingtaine d'années. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est à la fois ce mélange tout à fait original, à la fois de compétences reconnues par tout le monde, d'engagement et puis de capacité à transmettre et à convaincre que l'association a démontré tout au long de ces années et qui ont fait vraiment la recette de son succès. Aujourd'hui, pour moi, les Amis des Oiseaux est vraiment sur la ligne de front des organisations environnementales en Méditerranée qui ont justement cette capacité à mobiliser, à convaincre, à transmettre la nécessité de préserver ces milieux, de sauvegarder cette nature qui est bien malmenée. Ces années, notamment ces 5 dernières années, nous avons une collaboration tout à fait étroite et extrêmement productive, positive avec l'Association des Amis des Oiseaux, mais plus largement avec des partenaires des 5 pays d'Afrique du Nord dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle ce réseau Oiseaux d'eau Méditerranée qui nous a permis à la fois de monter en compétence, de faire en sorte que toutes les personnes en charge du comptage des oiseaux aient une capacité renforcée, partagent des mêmes outils, des mêmes méthodes, et puis échangent entre eux, collaborent, coopèrent, et arrivent à en tirer des synthèses beaucoup plus utiles pour éclairer des décisions en termes de protection, d'aménagement de ces zones humides et de ces milieux naturels. Voilà donc, pour nous, un partenariat absolument exemplaire que nous souhaitons prolonger, pour lequel, encore une fois, nous félicitons toutes les personnalités, tous les membres de l'Association des Amis des Oiseaux et qui, pour nous, est un modèle de ce que nous souhaitons développer à une échelle plus large. 40 ans, c'est le moment de se réjouir, de dire tout ce qu'on a fait ensemble, tout ce que vous avez fait, et c'est absolument remarquable. Je pense que c'est aussi un moment important pour se projeter. Et se projeter, pour moi, ça veut dire l'évidence que votre association a un rôle encore plus éminent à jouer dans les années et décennies qui viennent. On le voit tous les jours, l'humanité a enclenché des phénomènes qui aujourd'hui le dépassent et lui échappent avec les effets des changements climatiques, avec cette 6e crise d'extinction des espèces. Et tout cela démontre que nous sommes dans un modèle erroné, un modèle de développement qui ne convient pas et sur lequel on ne peut pas continuer à s'engager. Et il me semble que plus que jamais, c'est à la société civile d'apporter, d'être une force de proposition, d'être vraiment une force d'innovation. Bien entendu, les États, bien entendu, les pouvoirs publics doivent s'engager, mais il me semble que la flexibilité, l'adaptabilité, la capacité d'innovation de la société civile et l'Association des Amis des Oiseaux en est un exemple vivant. C'est là où réside vraiment un élément moteur qui doit nous permettre de changer de modèle et de faire comprendre à la société, à toutes les personnes qui nous entourent, qu'on ne peut plus être dans un modèle prédateur des ressources naturelles, mais que nous faisons partie du tissu vivant de la planète et que si nous le malmenons, c'est l'humanité qui en pâtira. Donc voilà, un message pour moi d'espoir dans un contexte difficile, bien entendu, mais je pense que vous avez bâti le socle de ce qui fera la succès de demain et je vous souhaite tous les succès pour les 40 ans qui viennent et vous répétez que la Tour du Vala sera à vos côtés aussi longtemps qu'on le pourra et que vous le voudrez. Voilà, très bon anniversaire et à très bientôt pour la suite de la collaboration.